Tachi Dele. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre carême se passe bien si vous êtes chrétien, que votre ramadan se passe bien si vous êtes musulman. N'oubliez pas que ces moments d'abstinence sont très importants pour notre organisme. Généralement, on y passe quatre phases, une phase de désintoxication du corps, une phase de rééquilibrage où le corps se reconstruit, et ensuite, au bout de la deuxième semaine, eh bien, on a des bénéfices au niveau spirituel, c'est-à-dire notre corps physique s'étant reconstruit, notre corps subtil s'étant régénéré, eh bien, on atteint des états spirituels, de réception spirituelle, qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait avant de faire ces pratiques rituelles. Il est très important d'avoir une religion exotérique avec ses rites, avec ses dogmes, parce que cela va vous donner un cadre. Vous allez rester à une distance raisonnable de Dieu sans vous perdre et sans passer non plus par des états mystiques. Lorsqu'on veut aller plus à l'intérieur de sa tradition, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Et pour comprendre l'ésotérisme, on doit recevoir des initiations. Dans le christianisme, il n'y a plus d'initiation. Les initiations ont disparu à partir de la Renaissance. Certaines organisations ont décidé de partir vers l'Orient, sachant que l'Occident rentrait dans un cycle de dégénérescence qui amènerait à son châtiment. Le châtiment de l'Occident, il est maintenant très proche. Dans ce contexte historique, vous êtes nombreux à vous poser la question de la signification de votre religion, de vouloir retourner à votre religion, et c'est très bien, je vous y engage. Si vous êtes juif, retournez au judaïsme. Si vous êtes chrétien, retournez au christianisme. Si vous êtes musulman, retournez à l'islam, etc. Retournez dans votre tradition pour retrouver cette distance, cet équilibre avec Dieu et ne pas vous perdre dans la contingente et dans les événements dramatiques que nous avons à vivre les trois prochaines années et demie. Lorsqu'on s'intéresse à la tradition, on peut soit la vivre superficiellement en respectant les règles de fonctionnement, les règles morales et les dogmes, mais on peut aussi quelquefois aller plus loin. On veut avoir une relation personnelle avec Dieu, on veut se connaître, avoir une relation personnelle avec son intériorité, la divinité à l'intérieur de soi. C'est là que se pose, eh bien, la question de l'initiation et la question du langage de l'initiation qui est le symbolisme. Sachant que dans ce symbolisme, il y a l'héraldisme, par exemple, mais aussi l'astrologie, les mathématiques, la stéatomérie, c'est-à-dire la stéatométrie, c'est-à-dire la géométrie en trois dimensions, et bien d'autres sciences traditionnelles. Pour des chrétiens qui sont catholiques, protestants, orthodoxes, il est très difficile de recevoir une initiation parce que ces initiations ont disparu. C'est moins vrai en Russie, certaines initiations se sont maintenues dans l'orthodoxie. Il n'y a aucune initiation dans le protestantisme à part la franc-maçonnerie et dans le catholicisme. Eh bien, l'Église catholique a persécuté les initiés et les mystiques en les accusant d'hérétiques, avec souvent de graves malentendus. Pour un chrétien, il est donc très difficile d'avoir accès à l'ésotérisme. Et il est très difficile d'avoir accès à l'initiation. Et pour remédier à cette absence d'initiation dans le monde moderne, eh bien, il faut se tourner vers les autres traditions. Si on se tourne vers l'islam, on va devenir musulman. Si on se tourne vers l'hindouisme, on va devenir hindouiste. Le bouddhisme, il offre une solution intermédiaire, c'est-à-dire que vous pouvez rester chrétien tout en recevant les initiations spirituelles du bouddhisme. C'est mon propre cas. J'ai été élevé dans un milieu catholique, mais aussi juif et musulman, mais je me suis tourné, parce qu'il n'y avait pas d'initiation dans le christianisme, vers l'initiation bouddhique. Ça m'a plutôt bien réussi. Par la suite, eh bien, ayant réalisé ma propre tradition qui est le bouddhisme et le catholicisme, eh bien, je me suis tourné vers l'islam pour des raisons qui sont liées à l'eschatologie. Cette semaine, nous allons avoir 5 vidéos. Dans ces 5 vidéos, nous allons parler de la tradition et de l'antitradition. Nous allons parler du bouddhisme, du christianisme, de l'initiation, du symbolisme, et nous allons parler d'eschatologie. Cette série d'émissions, elle a été inspirée par un des internautes, un de vous qui me regardez derrière votre ordinateur, votre télévision, votre téléphone, qui m'a demandé quels étaient les prochains événements eschatologiques, de parler d'eschatologie en citant mes sources. Alors j'ai repris mon travail, les prophéties de Padmasambhava, mais aussi les prophéties, les centuries de Nostradamus, la prophétie des papes, et puis évidemment les hadiths du prophète sur la fin des temps, sur les signes mineurs et les signes majeurs, afin de pouvoir préparer ces capsules.
Chaque semaine, vous avez cinq capsules de base qui vont vous amener à la compréhension de l'eschatologie, du moment de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et la semaine prochaine, eh bien, on traitera à proprement parler pendant 5 jours des détails, des événements de la fin des temps. Évidemment, eh bien, toutes ces vidéos, elles vont donner lieu à un cours d'eschatologie juive, chrétienne, islamique et bouddhiste, où je vous enseignerai pendant quelques heures, on passera ensemble, 6-7 heures ensemble, quelles sont, eh bien, ces différentes notions de l'eschatologie. Ce cours-là sera pour le mois d'avril. Je vais publier un catalogue des cours qui va vous permettre de vous repérer. On va aussi commencer un cours de gnose bouddhique et chrétienne comparée qui s'inscrit aussi dans la dynamique de ce cours. Tous les mois, vous avez 3 cours payants et un cours gratuit. Et le prochain cours parlera de sexualité, sexualité et religion. Est-ce qu'on a le droit d'être hétérosexuel? Est-ce qu'on a le droit d'être homosexuel, bisexuel? Est-ce qu'on a le droit, eh bien, d'être polygame, monogame? Est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs maris, plusieurs femmes? Je tenterai de répondre à ces questions d'un point de vue traditionnel, c'est-à-dire la théorie de chacune des traditions. Et on parlera aussi des pratiques sociales qui, quelquefois, sont différentes. À très bientôt. Merci d'être fidèle à cette chaîne. Toutes chaînes confondues, ce mois-ci, on a gagné environ 2000 abonnés. On est environ à 12 500, à 15 000 vues par jour. Et je vous remercie pour votre audience et puis le retour charmant que vous m'avez fait et tous les messages de sympathie que je reçois. À très bientôt, ciao. شوف
Non.